même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains. Un jour, danser par vivre mais que dit l'ailleurs. Et lorsqu'on réalise que Dieu a fait pour nous, on réalise son œuvre à la croix. Parce qu'on réalise que nous étions vraiment perdus. Il est venu nous sauver, nous racheter. Nous n'avons rien de plus à nous donner. Nous n'avons rien à lui donner que notre vie. Il est notre joie. Il est tout ce dont notre cœur peut désirer. Amen. Célébrons-le, glorifions son nom, car c'est à cela que nous avons été destinés. Si nous avons été sauvés ici, aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver dans sa présence. Ce n'est pas pour voir un homme, ce n'est pas pour entendre ce que l'homme de Dieu a dit, parce que l'homme de Dieu est mortel, mais c'est pour glorifier son nom, pour célébrer sa gloire. Amen. 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 Je croyais que tu allais dire un grand amen. Amen. Non, je croyais que tu allais dire un grand amen. Amen. Alléluia. Salut ton frère de gauche et de droite. Pose la question, est-ce que ça va? Je demanderai à ceux qui sont derrière si on peut occuper les premiers plans de premier siège pour éviter d'être dérangé par ce qu'il y a dans le cas. Pose la question à ton voisin, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tout le monde va bien? Gloire à Dieu. Est-ce que ceux qui sont juste avant de commencer, ceux qui sont derrière, je prends les quelques personnes, venez occuper le premier siège parce que souvent nous sommes dérangés pendant l'enseignement. Et comme je veux un tout petit peu de temps pour prêcher la parole de Dieu, je ne veux pas qu'il y ait de dérangement. Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. Venez devant ici. Nous sommes en réserve de derrière pour ce qui donne un peu en retard. On a mis dans la joie et parmi nous encore parmi nous. Cet après-midi, nous allons prendre sans plus tarder la parole de Dieu et vous parlerez de quelque chose de très important de votre vie, de ma vie. Il faut connaître, il faut savoir lequel il faut être vraiment attentif afin de ne pas passer à côté du plan parfait de Dieu. Vous savez, ce que je constate beaucoup dans la vie chrétienne, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas conscients de la grâce qu'ils ont reçue dans le Seigneur. Beaucoup de personnes connaissent pas ou méconnaissent, l'importance de la vie éternelle d'une part, et de l'autre part, certaines personnes méconnaissent ou négligent un aspect que je veux toucher avec vous aujourd'hui, c'est l'aspect du temps. Deux choses qui ne sont pas à la portée d'un homme, c'est-à-dire dont vous ne disposez pas, vous n'avez pas, je dirais, le monopole. Donc, deux choses que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pouvez pas gérer. La première chose, c'est la vie. Vous n'avez pas décidé de naître, vous êtes trouvé sur terre. Et c'est vrai que Dieu a fait des choses en de sorte que par le rapport d'un homme et d'une femme, un enfant peut être conçu, un enfant peut venir au monde. Il s'agit toujours que c'est toujours le dessein et le décret de Dieu Tout-Puissant. Donc si Dieu ne décide pas que vous naissiez, vous ne serez pas là. Donc vous n'êtes pas sur la terre par hasard. Comprenez? Et vous n'existez pas par hasard. C'est pour un but. Comprenez? Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir. Il faut connaître aussi que cette vie que vous avez ne vous appartient pas. La preuve, c'est que le jour de votre mort, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas empêcher la mort de frapper à votre porte. Car la mort, c'est en même temps imprévisible et inévitable. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ce n'est pas votre vie. C'est la vie que Dieu vous a prêtée. C'est le souffle de Dieu qui vous anime. Et Jean pouvait dire, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant.
puissant m'anime. Vous voyez, et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le temps. J'aimerais brosser rapidement avec nous pour que nous puissions comprendre et l'importance du temps. Et si vous comprenez cette parole, vous comprenez ce message, je pense que, je crois d'ailleurs, que vous ne prendrez plus votre vie chrétienne à la légère, vous ne prendrez plus votre vie à la légère, vous serez conscient de la portée du temps ou de la nécessité du temps. Et prenez avec moi trois passages juste avant de commencer l'enseignement. Le premier passage que nous allons prendre, c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 29. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. Merci Seigneur de prendre contrôle encore de toutes choses. Inspire-nous ta parole, Seigneur, que tout ce qui sera dit, enseigné, soit inspiré de ton esprit, mon roi, et que la chair se taise, afin que Seigneur, la parole qui est inspirée, puisse communiquer la vie, la grâce, la présence de Dieu. Et que tu puisses ouvrir notre esprit, notre compréhension spirituelle, et que tu parles à nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 29. Voici ce que je dis, frère, ce que le temps est court, et que désormais, ceux qui rendent femme soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure du monde passe. Ça, c'est le tout premier texte que nous allons considérer. On nous parle ici de temps. La Bible dit, le temps est court. Tel est le thème de ma prédication cet après-midi. Le temps est court. Il faut prendre conscience que le temps est court. Le temps est très court. Et le deuxième passage que je vous invite à prendre avec moi, c'est dans le livre de Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, nous prenons le verset 15 au verset 17. Éphésiens, chapitre 5, le verset 15 à 17. La parole de Dieu nous enseigne ceci. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas distraits, ne soyez pas comme dans la confusion, mais comprenez, discernez quelle est la volonté du Seigneur. Donc la volonté du Seigneur est liée au temps. Vous comprenez? Et je veux vous enseigner, vous montrer que nous vivons dans le temps et Dieu, lui, est en dehors du temps. Dieu est dans ce qu'on appelle l'éternité. Je vais le prendre avec vous tout à l'heure. Et le troisième texte que je voudrais que vous puissiez prendre avec moi, c'est dans le livre de Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Et nous prenons le verset 12. Apocalypse, chapitre 12. Nous prenons le verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il dit malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant que le diable a très peu de temps. Donc le diable a très peu de temps. Alors, qu'est-ce que c'est le temps? Il faut comprendre que le temps est un élément très important à savoir, et le temps reste un mystère. On ne peut pas définir de manière concrète, de manière absolue le temps, voyez, parce que c'est quelque chose de difficile à exprimer, c'est quelque chose de difficile à maîtriser. Seul Dieu, vous dit la Bible, est maître des temps et des circonstances. Et il est important que chaque homme, chaque femme comprenne que son temps commence le jour de sa naissance. Donc, le temps que toi, que Dieu t'a donné, ton temps a commencé le jour de ta naissance et ce temps va jusqu'au jour de ta mort. Et c'est pendant ce temps-là qu'on dira que telle personne a vécu un certain temps, un certain âge. Et je veux nous expliquer pourquoi et comment, pourquoi ces choses sont-elles arrivées. Parce que telle n'était pas la pensée de Dieu au préalable. Et selon la définition de Larousse, le temps est une notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent des événements et souvent ressentis
comme une force agissante dans le monde et sur les êtres. Donc le temps, c'est quoi? Le temps, c'est comme un milieu, c'est comme un temps, c'est comme un espace de vie, d'action et d'activité que Dieu vous permet d'avoir, vous comprenez? La Bible dit que c'est Dieu qui produit, qui nous donne le mouvement, l'être et la respiration. Donc il est l'auteur de la vie et il dispose l'espace. Et il vous met dans un espace et il permet à ce que vous puissiez exister dans une génération, que vous puissiez vivre, que vous puissiez contempler ses merveilles, que vous puissiez aussi développer le potentiel qu'il a mis en vous pendant ce temps pour sa gloire. N'oubliez pas que Dieu a tout fait pour sa gloire. Il n'a rien créé au hasard. S'il a créé le soleil a un rôle à jouer. S'il a créé la lune a un rôle à jouer. S'il a créé l'eau, l'eau a un rôle à jouer. Il a créé la terre a un rôle à jouer. Et les hommes aussi qui ont été créés avec un but. Dieu a tout fait pour un but. Donc ce n'est pas du tout de la complaisance. Tu n'es pas inutile, tu es important. Mais tu dois prendre conscience de la notion du temps pour que tu saches discerner et travailler par rapport au temps qui est parti. Et dans ce temps, nous vivons des événements. Nous vivons des moments de joie. Nous pouvons vivre des moments de tristesse. Voyez, et la Bible nous déclare dans le livre de Ecclésiaste, par exemple, au chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Sous le ciel, il y a un temps. Voyez, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour blesser. Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour se lamenter. Et il y a un temps aussi pour danser. Donc les événements dans le temps ne seront pas toujours positifs. Donc ne vous attendez pas à vivre toujours de meilleurs moments dans la vie. La vie est constituée aussi de moments difficiles. La vie est constituée aussi des temps qu'on appelle des temps sombres. La vie est constituée aussi des temps de pleurs, de larmes. Donc tout ne sera pas sourire chaque jour. Donc si vous ne comprenez pas ces choses, vous pouvez facilement vous suicider. Vous pouvez facilement vous ôter la vie. Vous pouvez facilement même accuser Dieu, condamner Dieu, tout simplement parce que vous ne comprenez pas. Nous ne comprenons pas que la vie est un mystère. Le temps est un mystère. Il y a des bons événements, il y a des mauvais événements. Et tout ça, ça fait partie des circonstances. Quand on parle des circonstances, c'est quoi? C'est des faits qu'on retrouve dans les événements. Et la Bible dit, dans Daniel chapitre 2, verset 21, que Dieu est maître des temps et des circonstances. Alléluia. Le temps. Le temps, frère. Le temps est très capital. Alors, le temps est subtilisé. Je vais parler d'abord du temps par rapport à l'homme. Et ensuite, je parlerai du temps par rapport à Dieu. Et enfin, je parlerai du temps par rapport à ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut que tu fasses. Comprenez? Trois choses très importantes, très capitales. Et la première chose, le premier grand point que je vais développer avec vous, c'est le temps et les ordres. Le temps par rapport à l'ordre. Donc, si nous parlons du temps, comprenez que c'est par rapport à nous qui vivons sur terre. Autrement dit, ceux qui meurent ou ceux qui sont morts, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle l'au-delà. Ils sont rentrés dans ce qu'on appelle l'éternité future. Je vous expliquerai c'est quoi. Je vous expliquerai qu'il y a eu l'éternité avant et il y a l'éternité aussi future. Mais le temps nous concerne nous qui vivons sur la terre. Amen. 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 Donc ce temps est subdivisé depuis la création. Donc quand Dieu a créé l'humanité, il a fait en sorte que l'homme puisse être réglé par rapport au temps. Et vous allez voir que toutes nos actions, en général, sont réglées par rapport à une montre. Quand on a une montre, c'est pour regarder quelle heure il est. Ah, c'est l'heure d'aller à la prière. Ah, c'est l'heure de manger. Ah, c'est l'heure d'aller au travail. Ah, c'est l'heure de dormir. Vous voyez? Parce que nous sommes conditionnés par rapport au temps. Est-ce que je suis clair? Et Dieu a fait des choses ainsi depuis le commencement, depuis la création même du monde. Alors prenez avec moi dans Genèse chapitre 1er, rapidement. Genèse chapitre 1er, et nous lisons le premier verset jusqu'au verset 5. Il est écrit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit,
et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, voyez ici, au commencement même de la création, quand Dieu décide de créer, de par sa propre volonté, de par sa propre autorité, son propre pouvoir, il décide de créer l'humanité, et il met en place le temps. Et nous sommes conditionnés par rapport à ce temps. Et dans ce temps, nous voyons qu'il a créé le ciel. On nous dit qu'il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu va appeler la lumière jour. Et Dieu va appeler les ténèbres nuit. Et on nous dira qu'il va y avoir un jour, un matin et un soir. C'est bien ça? Alléluia. Donc, dans le temps, quelles sont les choses qui subdivisent le temps? La première chose que vous avez, c'est le jour. Et je parlerai du jour et de la nuit sous deux angles. L'angle que nous connaissons chaque jour, que nous expérimentons. Et aussi sous l'aspect prophétique. Qu'est-ce que cela signifie aussi? Donc la première chose dans le temps, c'est quoi? C'est le jour. Le jour. Et le jour, c'est un laps de temps qui s'écoule entre deux levées consécutives du soleil. Donc le jour, d'après la parole de Dieu, c'est lorsque le soleil se lève et le soleil se couche. Donc pendant que nous avons la lumière, ce qui caractérise le jour, c'est la lumière, contrairement à la nuit. Et dans le jour, vous avez, Dieu avait placé là ce qu'on appelle le soleil. Vous lisez dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 14. Genèse chapitre 1 à partir du verset 14, la Bible nous enseigne que Dieu a placé deux astres précis, deux astres majeurs dans le ciel pour présider le jour, c'est le soleil, et pour présider la nuit, la lune. Donc le jour est présidé par le soleil, le savon, vous voyez, c'est juste un petit rappel. Et la nuit est présidée par la lune. Et dans le jour était subdivisé en trois parties. Hein, en trois parties. Et je parle cela de cela parce qu'il y a des personnes qui peuvent lire les Écritures, notamment le Nouveau Testament, mais il y a des choses qu'ils peuvent ne pas comprendre. Lorsque, par exemple, vous voyez dans la Bible, il est écrit la troisième heure. La troisième heure correspond à 9 heures. La sixième heure correspond à 12 heures ou à midi, quand le soleil est à son zénith, son pic. Et la neuvième heure qui correspond à 15 heures. Vous voyez souvent cette expression dans le Nouveau Testament. Vous voyez, ça parle du jour. Donc, 9e heure, 3e heure, c'est là où nous levons, où nous commençons les activités. À midi, c'est la 6e heure. Et la 9e heure, c'est à 15 heures. Et vous verrez que lorsque Jésus était sur la croix, il est resté 3 heures. Dans Matthieu chapitre 27, si vous lisez, à partir du verset 47 par là, la Bible nous enseigne que le Seigneur est resté sur la croix 6 heures. Mais les trois dernières heures, c'est-à-dire entre la 6e heure et la 9e heure, au lieu qu'il y ait un jour sur la terre, il y a eu les ténèbres sur toute la surface de la terre. Ceci voulait dire quoi? Ceci veut dire que le Seigneur était en train de faire une œuvre de la rédemption, une œuvre où il allait détruire les dominations, les autorités, les livres publiquement en spectacle. C'est pour ça que le jour a été changé en lui. Et la Bible dit sur toute la surface de la terre. Vous êtes d'accord avec moi que si nous sommes au jour ici, à un autre endroit du globe de la terre, il fait nuit. Mais à ce moment précis, le soleil avait disparu parce que les ténèbres avaient recouvert toute la surface de la terre. Et la Bible dit dans Colossiens 2, il a dépouillé les autorités, les dominations. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc il y avait une confrontation entre lui-même qui était la lumière et les ténèbres. Et il a vaincu. Et c'était le jour. Amen. Amen. Ça, c'est le jour. Et de manière prophétique, donc prenez avec moi dans le livre de Jean, au chapitre 9. Jean chapitre 9, le verset 4. De manière prophétique, le jour représente la lumière. Et quand la Bible parle de la lumière, la Bible parle de Christ. Car Jésus est la lumière du monde.
Il dit lui-même dans Jean 8, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et dans Jean chapitre 9, le verset 4, il dit quoi? Il dit, Jésus dit, il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc le jour, c'est la visitation de Dieu. C'est quand Dieu vient vous visiter. Rappelez-vous, il est dit quoi? Le peuple qui marchait dans le ténèbre a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Un jour nouveau s'est levé. Dieu nous a visités. C'est ça le jour. Le temps de la visitation, le temps de la grâce, le temps où Dieu vient à vous, le temps où Dieu marche avec vous, le temps où vous bénéficiez de toutes les grâces et de toutes les faveurs de la part de Dieu. C'est ça le jour, de manière prophétique. Et vous lirez aussi Jean chapitre 12, à partir du verset 35 à 36. Jean chapitre 12, 37 à 36, où Jésus dit, pendant que vous avez la lumière, marchez dans la lumière. Parce que celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Le jour, c'est la lumière, c'est la visitation, c'est la présence de Dieu. C'est la manifestation visible de sa gloire. Telle est la signification prophétique du jour. Et la deuxième chose que nous voyons dans le temps, c'est la nuit. La nuit, c'est quoi? La nuit, c'est une période d'obscurité. La nuit est une période d'obscurité, une période de ténèbres. Voyez, et c'est la lune qui préside la nuit. Et nous voyons que dans la nuit, il fait sombre. Et vous verrez que tous les malfaiteurs aiment travailler la nuit. Vous comprenez? Tous les malfaiteurs aiment travailler la nuit. Les satanistes qui sortent de leur corps pour aller envoûter les gens la nuit. Les braqueurs vont aller braquer la nuit. Quoique maintenant, ils le font aussi le jour. Mais c'est en général la nuit parce que tout le monde dort. Tout le monde se repose. Voyez? Et la nuit est synonyme de repos. La nuit est synonyme d'absence de travail. La nuit est synonyme de temps où nous profitons pour récupérer de la fatigue de la journée. Et la nuit, frère, la nuit. Et la nuit, c'est des ténèbres. Et les ténèbres sont de plus en plus profondes en ce temps qui sont les derniers. Et la nuit est divisée aussi en trois. Vous pouvez aussi lire ça dans le Nouveau Testament. On parle du coucher du soleil à minuit. Donc la nuit est subdivisée en trois parties qu'on appelle les veilles. Hein, les veilles. On nous parle de première veille, deuxième veille et troisième veille. Donc, première veille commence de minuit, plutôt, du coucher du soleil à minuit, c'est-à-dire vers 18h jusqu'à minuit. Ça, c'est la première veille. Et la deuxième, c'est de minuit à 4h. C'est-à-dire, à 4h, nous avons le chant du coq. Quand le coq chante. À l'époque, pour savoir que le matin approchait, il fallait que le coq chante. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné trois fois. Et ça s'est passé ainsi. Il a régné le Seigneur trois fois. Et le coq a chanté. Alléluia. Amen. Ça c'est la deuxième veille. Et la troisième veille va du chant du coq au lever du soleil, c'est-à-dire vers 8h par là. Donc c'était ça la subdivision de la nuit. Et de manière prophétique, la nuit symbolise quoi? La nuit, de manière prophétique, symbolise le péché. Quand la Bible parle de la nuit, sur le plan prophétique, la nuit représente le péché. Voyez, les abominations. L'angoisse, hein? Un temps d'angoisse, un temps de confusion, c'est ça la nuit. La nuit, dans la nuit, nous ne savons où nous allons. Si on vous laisse aujourd'hui dans la nuit, quand tout est sombre, tu ne sais pas là où tu vas. Vous comprenez pourquoi il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier? Parce que nous vivons dans un monde ténébreux. Nous vivons dans un monde rempli de ténèbres. La nuit est profonde. Et prenez avec moi Romains chapitre 12, plutôt Romains chapitre 13. Ici, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très capital par rapport à la nuit. Et je tiens à rappeler à tous les enfants de Dieu que nous vivons aujourd'hui une époque de nuit.
Il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que sur le plan spirituel, nous sommes la nuit. Ce n'est pas le jour. Nous allons dans des temps de plus en plus sombres. Les situations, la situation du monde ne va pas s'améliorer. Au contraire, ça va s'empirer. Parce que c'est la parole de Dieu qui l'a prophétisé ainsi. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps seront sombres. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, amis de l'argent, et en l'apparence de la piété, et régnant ce qui en fait la force. Et dans Romains chapitre 13, verset 12, il est dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des heures des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc sur le plan prophétique, nous sommes la nuit. Nous vivons dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. C'est sombre. Est-ce que vous me suivez? Tout est sombre. Nous vivons dans un temps de confusion. Parce que c'est la nuit. Et Paul dit que la nuit est avancée. C'est pour cela que les chrétiens doivent se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et réveille-toi dans tes morts. Et Christ te éclairera. Ce n'est plus le temps de la complaisance. C'est le temps où chacun doit se réveiller dans la vie spirituelle. Parce qu'un jour de retard, le ténèbre va vous rattraper. Et c'est une guerre. C'est une guerre entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres sont profondes. Les ténèbres remplissent toute la terre. Alléluia. Et Dieu veut susciter les sentinelles. Ça, c'est juste une parenthèse. Pendant la nuit, Dieu veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont postés sur la tour. Des sentinelles qui doivent veiller. Et Dieu veut que dans l'église, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent comme des sentinelles. Sentinelles, que dis-tu? Que dis-tu de la nuit? Nous dit Ésaïe 21. Que dis-tu de la nuit, sentinelle? Et la sentinelle dit, voici, la nuit arrive, et le matin aussi. Dieu pose la question, y a-t-il des sentinelles aujourd'hui? Dans Ézéchiel 3, Dieu dit, je veux que tu sois une sentinelle. Puisque cette église soit remplie de sentinelles, au nom de Jésus. Puisse le corps de Christ être rempli de sentinelles, des hommes et des femmes qui vont veiller dans la prière, à genoux, élevant la prière du nom de Jésus, priant le Seigneur, gémissant devant Dieu, criant pour que la lumière vienne, que l'esprit et l'épouse disent viens. Quand je regarde l'église aujourd'hui, l'église ne prie pas. Vous êtes là, vous ne priez pas. Vous allez rester à l'enlèvement. Vous ne direz pas que vous n'avez pas été averti. Vous allez rester. Continuez à jouer. Jouez. Là, il y a avec le diable. La Bible dit que le diable sait qu'il a très peu de temps. Mais les chrétiens ne connaissent pas le temps. Ils jouent avec leur temps comme ça. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. On peut dire tout ce qu'on veut. Je sais, je connais la valeur du temps. Je connais la valeur du temps. Car Dieu m'a donné un œil prophétique. Je sais discerner le temps. Alléluia. Amen. Et après la nuit, vous avez ce qu'on appelle la semaine. Et une semaine n'est rien d'autre que un espace, de 7 jours. Vous voyez, septimana en latin. La semaine, c'est une période de 7 jours. Vous voyez? Non, on a vu le jour, on a vu la nuit, on a vu la semaine, 7 jours. Vous voyez? Et Dieu lui-même a établi la semaine. Parce que vous verrez que, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il doit y avoir un 8e jour. Hein? Il y a un 8e jour. Alors que la Bible nous enseigne que Dieu a créé le monde en 6 jours. Il a créé l'homme le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est-à-dire le sabbat. Et dans la semaine, il faut que vous puissiez aussi avoir le temps de vous reposer. Le sabbat, c'est un jour de repos. Le repos où nous nous reposons dans l'œuvre de Dieu. Vous pouvez travailler 6 jours, mais le 7e jour, ça doit être un jour de repos. Un chrétien doit apprendre à discipliner sa vie pour aussi se reposer. Car Dieu a établi le seul mois, vous allez mourir avant le temps.
Et nous vivons dans une société qui veut vous faire croire que vous avez, vous, pour vivre, vous avez besoin d'argent. C'est faux. Vous avez besoin de Dieu pour vivre et non de l'argent. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable aujourd'hui veut séduire les gens pour que les gens ne pensent qu'au travail. Les gens aujourd'hui ne pensent qu'au travail. Ils n'ont plus le temps de penser à Dieu. C'est une séduction du diable. Vous allez en Amérique, par exemple, en Amérique du Nord, vous verrez les gens, il y a des gens qui ont 2, 3, 4 jobs. Ils n'ont même pas le temps pour respirer. Ils quittent un job, ils font un autre job. Pourquoi? Pour avoir un défié. Et le Dieu qui t'a créé, tu n'as même pas le temps de célébrer sa gloire. Tu n'as même pas le temps de l'adorer. Il y a un problème quelque part. Comprenez que Dieu a établi les choses ainsi. Et nous devons respecter le calendrier et le programme de Dieu. Amen. Donc le sabbat, c'était le 7e jour. Dieu dit dans Exode 20, tu travailleras 6 jours et le 7e jour sera le jour du repos. C'est un principe qu'il faut respecter. Ça vous évite aussi des problèmes de santé. Amen. Amen. Et vous verrez que dans la semaine, on parle toujours de semaine, dans la Bible, il y a des événements, il y avait des fêtes qui prenaient de semaine, telles que la Pâque. Quand on célébrait la Pâque, Lévitique 23, on nous parle de la Pâque était suivie de ce qu'on appelle de la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain durait 7 jours, c'est-à-dire une semaine. Et aussi, lorsqu'en Israël, il y avait des noces, lorsqu'on se mariait, les fêtes des noces duraient aussi 7 jours. Et également, lorsqu'il y avait un tas de deuil, les fêtes de funérailles duraient aussi 7 jours. Pour ceux qui exagéraient, ça allait jusqu'à 40 jours, 2, 3, 4 mois. Mais la durée minimale pour célébrer le funérail, c'est le 7 jours. Tels sont les principes que Dieu a établis. Amen. Et après la semaine, nous avons le mois. Tout ça, ça fait partie du temps. Le mois, c'est l'espace d'environ 30 jours. Dans un mois, vous avez 30 jours, vous avez 4 semaines. Et après le mois, vous avez l'année. L'année qui est composée de 12 mois, soit 52 semaines. Ok, 360 jours minimum. Et vous avez une décennie, un ensemble de 10 ans. Vous avez aussi le siècle, un ensemble de 100 ans. Et aujourd'hui, très peu de personnes atteignent un siècle aujourd'hui. Qui sont ceux qui veulent vivre un siècle? Elle veut mourir avant. Moi, jusqu'à 120 ans, je n'aurai pas de calme. Je serai toujours debout, vivant pour Dieu. Alléluia. Moi aussi. Amen. Aujourd'hui, les gens meurent jeunes, ça c'est pas bon. C'est pas la volonté de Dieu, frère. Et puis vous avez le millénaire, période de 1000 ans. Alors, comprenez que Dieu nous avait créés pour que nous puissions vivre éternellement. C'est-à-dire, la mort n'était pas dans le programme de Dieu. Bien. Deuxième grand point, le temps et l'éternité. Le temps et l'éternité. Ça, je vous ai brossé un peu le temps. C'est-à-dire, vous et moi, ne dormez pas. Si le sommeil vous menace, réveillez-vous. Comprenez que vous et moi, nous sommes soumis à ce programme. C'est un jour aujourd'hui. Hier, c'était un jour. Hier est passé. Nous vivons un autre jour. Et bientôt, ça va passer. Vous voyez pas que ça va très vite? Amen. Je veux que vous me répondiez. Vous ne voyez pas que le temps va tellement vite? Amen. On vit vite, hein? Bientôt c'est 2014. Je me rappelle encore quelques mois, il y a des gens, il y en avait qui avaient peur encore, non? Le 21 décembre 2012, apparemment c'est la fin du monde, tout ça. Les gens tremblaient. Ces jours-là, même les gens sont partis dans les villes de prière parce qu'ils avaient peur, quoi. Comme ça, s'il y a le mort, on va partir. Il pleure à Dieu, mais le jour de l'enlèvement, c'est pas comme ça, parce que personne ne connaît le jour, ni l'heure. Alléluia. Amen. Mais je veux dire que le temps court, le temps va vite. Et il faut être prudent. S'il vous plaît. Le temps et l'éternité. C'est quoi l'éternité? L'éternité est présentée comme un attribut de Dieu. C'est Dieu seul qui est dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Et nous ne pouvons pas comprendre l'éternité. L'éternité, c'est un temps sans limite.
Est-ce qu'on peut, vous expliquer que la chose existe, mais cette chose ne vieillit pas. Mais ça existe. Et c'est pourquoi qu'on ne peut pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Parce que Dieu existe. Vous comprenez? Il existe. On ne connaît pas son. D'ailleurs, cherchez même pas à comprendre. Vous allez devenir fou. Où est-ce qu'il vient? Depuis quand ça a commencé? Arrêtez-vous seulement qu'il est Dieu, il existe, et puis qu'il est ton créateur. Point. Parce que tu ne pourras pas définir cela. C'est des choses qui te dépassent. Ça dépasse notre entendement. Ça dépasse la portée de notre compréhension. Ça dépasse notre intelligence. C'est des choses tellement profondes que nous ne pouvons comprendre. L'éternité. Dieu est éternel. Alors prenez avec moi quelques passages qui nous montrent que Dieu est éternel. Psaume chapitre 10. Psaume chapitre 10. Prenez avec moi le verset 16. Psaume 10, verset 16. La Bible déclare ceci. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées par... plutôt exterminées de son pays. Voyez, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Donc il est roi et il restera roi. Il a toujours été roi. Ce n'est pas parce que les hommes qui sont sur la terre vont refuser d'accepter qu'il est roi qu'il n'est pas roi. Si au moins les hommes pouvaient savoir la grandeur et la puissance de ce Dieu, je pense que tout genou fléchirait devant sa majestueuse présence. Parce que l'homme pense qu'il peut exister de lui-même. Je suis beau, je suis belle, je suis fort, j'ai l'argent. Mais toutes ces choses, Dieu te dit, je vais te prouver que tu n'es rien, tu vas mourir. Et vous voyez, face à la mort, tout le monde est prêt. On dit que non, il faut changer les organes. Tout le monde est prêt à payer des millions pour qu'on puisse remplacer les organes. Pourquoi? Parce qu'il a peur de la mort. Mais celui dont je vous parle est mort, et il est ressuscité des morts, et il est vivant pour toujours. Jésus de Nazareth. Il est roi, la Bible dit, il est roi. Il est roi à toujours et à perpétuité. Roi des rois et Seigneur des Seigneurs. On croit à l'incrédulité des uns, à nous répéter la fidélité de Dieu. Il reste Dieu, son nom est Je suis. Avant lui, il n'y avait point été de Dieu, après lui, il n'y en aura point. L'unique, le seul et le véritable Dieu. Il contrôle tout, il patronne tout, il est partout en même temps. Au moment où je vous parle, il est là, il est en même temps chez vous, là où vous avez laissé votre maison. Il est en même temps là-bas, il est en même temps en Europe, il est en même temps en Afrique, il est en même temps en Asie, en Australie, il est en même temps au ciel. Il est même là où le diable fait ses réunions. Dieu est, frère. Amen. Comment vous pouvez expliquer un être pareil? Omniprésent, il est partout en même temps, à la fois et en même temps, il est là partout. Omniprésent, omniscient, il sait toutes choses et omnipotent, rien ne peut lui résister. Amen. Comment vous pouvez comprendre et définir ce Dieu? Psaume 90, le verset 2. Psaume 90, verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci. Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant même que la création n'existe, la Bible dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il est éternel, il est Dieu. D'éternité à l'éternité. Amen. Amen. Psaume 93, le verset 2. Il y a beaucoup de passages, mais je veux me limiter juste à ces deux, à ces trois passages. Il est dit, ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. C'est pour cela que la Bible appelle Alpha et Oméga. Commencement de toutes choses et fin de toutes choses. La Bible l'appelle aussi Je suis. Rappelez-vous, lorsqu'il est venu, il se revenait à Moïse. Il dit, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis, vous en voyez, il est Je suis. C'est-à-dire qu'il est en dehors du temps. Il n'est pas jeté. Il n'est pas Je serai. Il est Je suis. Je suis celui qui s'appelle Je suis. I am. Alléluia. Vous comprenez? Et Jésus pouvait dire aux pharisiens de son époque, vous savez,
Avant qu'Abraham fût, moi je suis. C'est ça son nom. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il dit quoi? Jésus-Christ est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Il est le même définitivement. Sa présence n'a pas changé. Sa gloire n'a pas changé. Sa plénitude n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Sa grâce, sa fidélité. Alléluia. Et il désire te toucher. Il désire te faire grâce. Il n'a pas changé. Il est le même. Alors, dans l'éternité, vous avez trois choses. La première chose, c'est ce que la Bible appelle l'éternité passée. Hein? L'éternité passée. C'est important de connaître ces choses. Hein? Sinon, vous n'allez pas connaître le temps. Oui, mais pourquoi j'existe même? Pourquoi même il faut prier? Est-ce que c'est important de prier? Comme quelqu'un dit, mais oui, j'ai prié qu'une fois, ça suffit. J'ai entendu une fois, ça suffit. C'est le terme très rusé. Et il veut tout faire pour que nous ne puissions pas cerner, comprendre l'importance du temps. L'éternité passée. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, Paul dit quoi? Paul dit que nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, depuis les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Donc, depuis les siècles anciens, depuis l'éternité ancienne, c'est-à-dire avant même que l'homme ne soit créé, que Dieu ne crée l'humanité, Dieu avait déjà dans sa préscience prévu que Christ viendrait. La sagesse infiniment variée de Dieu, cette sagesse qui est mystérieuse et cachée. Comprenez un peu? Donc c'est un mystère. Donc dans l'éternité passée, Dieu est. Avant même que le monde existe, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais Dieu est. Et ça reste un mystère. Les choses cachées sont à l'éternel et les choses révélées sont à vous. Et la deuxième chose que vous avez, c'est ce que la Bible appelle le siècle présent. L'éternité passée ou l'éternité antérieure. Deuxièmement, vous avez le siècle présent. C'est quoi le siècle présent? Le siècle présent correspond à notre temps, en fait. Donc, c'est comme si dans l'éternité, il y a eu un break entre l'éternité passée et l'éternité future. Et le break qu'il y a entre l'éternité passée et l'éternité future correspond à ce qu'on appelle le temps dans lequel vous et moi nous vivons. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ça le siècle présent. Le siècle présent a démarré le jour de la création et finira le jour de la fin du monde. C'est-à-dire quand Dieu va détruire le ciel et la terre à présent. Quand les éléments embrassés se dissoudront. Après le jugement dernier, quand Dieu va juger l'humanité, où les hommes qui seront pas, dont les noms ne seront pas inscrits dans le livre de vie, partiront dans le lac de feu. Et à partir de ce moment, il créera les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous rentrerons dans ce qu'on appelle l'éternité future. Est-ce que c'est clair? Et nous vivons présentement le siècle, le mauvais siècle, le siècle présent. Et la parole de Dieu nous enseigne que c'est un siècle qui est mauvais. Alléluia. Gloire à Dieu. Le siècle présent est mauvais. Il n'est pas bon du tout. Et le diable sait cela. Et voilà pourquoi, pour ralentir l'élan de l'église, pour empêcher les chrétiens de servir Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les chrétiens à s'attacher au monde. Une fois que tu es attaché au monde, tu ne prends plus conscience du temps parce que tu es rentré dans son engrenage. Lui, il sait qu'il a peu de temps, mais il sait qu'il t'a eu. Il sait que le monde entier est sous sa puissance, sa domination. Il n'a rien à faire avec ceux qui sont dans le monde. Il les tient déjà captifs. Mais son problème, c'est toi qui es enfant de Dieu, qui es sorti de là. Alléluia. Il va te viser, te cibler dans le but, dans un seul but, que tu rentres dans son système. C'est un système terrible. Est-ce que je suis clair jusqu'à présent? Lisez avec moi Galates chapitre 4. Plutôt, Galates chapitre 1, le verset 4 au verset 5. Galates chapitre 1. Nous lisons le verset 1 au verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci. On peut même prendre la partie du verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et notre Père. Voyez, donc la Bible dit que Dieu, par Jésus-Christ, nous a arrachés. Voyez, quand on arrache quelque chose, c'est quoi? C'est comme si tu avais pris racine quelque part et on vient, on te déracine. Nous venons tous du monde. Nous sortons tous du monde, n'est-ce pas? Nous étions enracinés. Et Dieu vient par le sacrifice de Jésus. Il vient et il nous arrache. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres en nous transportant dans le royaume de son Fils. Donc, il faut que, avec tes racines, que tu te détaches totalement du monde, du présent siècle mauvais. Je vous en prie, n'enviez pas le monde. Ne pensez pas qu'il y a des choses bonnes dans le monde. Le monde est rempli de pourriture et de corruption. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Je ne me confie pas à ce que je vois, mais je me confie plutôt en la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Est-ce clair? Amen. Le présent siècle, il est très mauvais. Et le diable a cerné ce siècle. Et la troisième chose que nous voyons, c'est l'éternité future. L'éternité future. L'éternité à venir. Frère, Éphésiens chapitre 2, le verset 7. Éphésiens 2, verset 7. Là, je vous brosse vraiment, c'est quoi le temps, hein? Éphésiens chapitre 2, verset 7. La Bible dit ceci, afin de montrer, on peut même prendre à partir du verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir. Donc il y a des siècles à venir. C'est pourquoi la Bible parle aussi du blasphème de l'esprit. Si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dans l'éternité future. C'est-à-dire après ta mort. Et vous verrez que Dieu étant éternel, Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire toi et moi, avec ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. Alors je vais rentrer dans la troisième partie. Je demanderai maintenant votre attention. Encore plus. Parce que là, ça va te concerner. Tu as compris un peu le temps avec les hommes. Tu as vu le temps avec Dieu, l'éternité, que Dieu est éternel. Au-dessus, en dehors, avant et après, il est Alpha et Oméga, commencement et fin, c'est lui. Il maîtrise parfaitement. Il est en dehors du temps. Mais le diable, pour votre information, est limité dans le temps. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le diable est limité. C'est pour ça que la Bible dit malheur à la terre. Donc, toi qui es sur la terre, malheur à toi. Malheur à moi parce que le diable est descendu vers nous. Animé d'une grande colère. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il le sait. Et tu dois aussi prendre conscience de cela pour ne pas jouer avec ta vie. Chaque décision de ta vie que tu dois prendre, ça doit être mûrement réfléchi dans la prière. Marchons dans le conseil de l'Esprit de Dieu. Alors, que dit la parole de Dieu? Prenez avec moi dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste juste après le proverbe. Ecclésiaste au chapitre 3. Nous allons juste prendre le verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. La Bible dit quoi? La Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps. Et même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu. Merci. L'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Suivez ici très bien. La Bible dit, le Dieu qui t'a créé, qui est éternel, c'est-à-dire dans l'éternité passée, il est, et dans l'éternité future, voilà, dans le siècle présent, il est, il t'a créé. Donc toi, tu as eu un commencement. Ce qui est différent de Dieu, Dieu n'a pas de commencement. Mais cependant,
du fait que tu existes maintenant, même si tu arrives à mourir, tu ne disparaîtras plus. Tu vivras éternellement, soit avec Dieu, soit avec l'autre. Ça va? Amen. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, Dieu a mis la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, l'homme est le seul être créé par Dieu à son image, avec les caractéristiques de Dieu, contrairement aux animaux. Donc tu as l'éternité en toi. Donc ne joue pas avec ton éternité qui arrive. Je fais ma vie. La Bible dit quoi dans Exode 12? Jeune homme, rejette-toi, livre ta vie à la danse, à la musique, à la prostitution. Mais sache que tu seras un jour appelé au jugement. Sache-le. Continue à jouer avec les gens, faire l'hypocrite. Continue, personne ne le voit. Tu penses que tu veux jouer avec ta vie. Tu détruis toi-même. Tu as en toi la pensée de l'éternité. Donc si la mort t'attrape aujourd'hui, tu ne meurs pas. En fait, c'est ton corps qui part. Mais ton âme et ton esprit vont quelque part. Soit dans le lac de séjour de mort présentement en attendant le lac de feu, soit dans le paradis. Mais tu iras où déjà? À chacun de nous de déjà de déterminer maintenant sur terre où sera sa destinée. C'est à chacun. Et ce n'est pas demain que la décision doit être prise. C'est aujourd'hui. Maintenant même. Donc nous avons en nous la pensée de l'éternité. Et quand Dieu a créé l'homme, vous verrez que dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas besoin de la mort. Dieu n'avait pas dit que l'homme allait mourir. La mort est intervenue à partir du péché. Dieu a dit, le jour où tu mangeras ce fruit défendu, tu mourras. Et voilà comment, à partir de la désobéissance d'Adam et Ève, la mort est rentrée. Et vous verrez que nos premiers parents, je parle d'Adam, je parle de Ève, je parle de ceux qui ont vécu à ce temps-là, mes touchés-là, je parle de l'aimer. Ils ont vécu plus de 900 ans. Ils ont vécu plus de 900 ans. Genèse 4, Genèse 5, on parle. Et vous verrez plus tard, parce que le péché n'arrêtait pas de croître, Dieu va écourter encore la durée de vie. Vous arrivez dans Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu limite la durée de vie à 120 ans. Il a limité à 120 ans. Tout ça pourquoi? À cause du péché, de l'iniquité. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que l'homme continue toujours dans le péché. Prenez avec moi psaume 90. Et regardez ici ce qui sera dit. Psaume 90. Le verset 10 au verset 12. Ah, je vous en prie, vous pouvez même souligner ce passage. Psaume 90, le verset 10 au verset 12. Psaume 90, verset 10 à 12. La Bible dit quoi? Les jours de nos années se lèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous en volons. Qui prend garde à la force de ta colère, à ton courroux selon la crainte de ta et selon la crainte qui t'éduque. Enseigne-nous à bien compter le jour, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Regardez ici. Le verset 12, je vais revenir tout à l'heure. La Bible nous dit que la durée de notre vie maintenant sur terre a été limitée à 70 ans. Cela veut dire quoi? Si tu veux savoir en réalité combien de temps il te reste la Bible, fais 70 ans moins l'âge que tu as. Si tu as 20 ans, tu as la réponse. Il te reste 50 ans. Si tu en as 30, il te reste 40. Si tu en as 40, il te reste 30. Si tu en as 50, il te reste 20. Si tu en as 60, il te reste 10. Regardez-moi avec de bons yeux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je vous aime, c'est pourquoi je voulais vous prêcher la vérité. Pour que vous ne passiez pas à côté. Que vous ne soyez plus le chrétien comme ça, yo-yo pancard. Vous perdez du temps sans le savoir. Que vous deveniez des hommes stables. Et pour le plus robuste, la Bible nous dit que c'est 80 ans. Et encore, faut-il échapper à toutes les maladies, le cancer, l'AVC,
accident de circulation. Parce qu'il y a tellement d'événements qui peuvent se produire et qui peuvent mettre un terme à ta vie. Tu n'es pas maître dans le souffle. Voilà la bonne nouvelle. Donc, que fais-tu de ton temps? Et regardez le verset 12 maintenant ce qu'il dit. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Donc, parce que le temps est court, parce que nous nous envolons vite. Hier encore, quand je me regarde, j'ai dit, mais déjà 10 ans, c'est passé vite comme ça. On vieillit. Alléluia. Amen. Tu vieillis. Regarde-toi un peu, regarde ton voisin. Dis, mais tu vieillis. Alléluia. Non, regarde-toi en face. Dis-lui, tu vieillis là. Alléluia. Amen. Mm-hmm. Je veux te dire que ta beauté n'est que. Tu n'es qu'une fleur, comme une fleur. Ça apparaît le matin et le soir, ça va s'éteindre. Il y a eu des beaux hommes, il y a eu des belles femmes. Et là, ils sont morts. Et là, ils sont mortes. C'est pour te dire, enseigne-moi à bien compter mes jours. Compte tes jours. Compte les jours qui te restent à vivre. Afin que tu appliques ton cœur, non ton intelligence, ton cœur à la sagesse. Or, qu'est-ce que la sagesse? C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il faut que tu appliques ton cœur à craindre Dieu. Amen. Amen. Ne sois pas distrait. Oh, Seigneur, aide-moi à compter mes jours. Quand je regarde mon âge, je dis, moi je demande une grâce spéciale. Si Jésus ne revient pas, en tout cas, c'est 120 ans. Ah, ça c'est moi. Mais je vous en prie, vous ne me verrez pas dans une maison de retraite avec des bouches. Non, jamais. Dis à ton ami, l'onction nous régénère. Dis-lui, l'onction nous régénère. Oh, l'homme de Dieu dans l'homme de Véa. Quel homme de Véa? Moïse était dans l'homme de Véa, l'onction de Dieu. Amen. Josué à 120 ans, il avait l'onction de Dieu. Il faut que tu aies une femme qui a l'onction de Dieu. Dis, j'ai l'onction de Dieu. Dis, je suis une femme qui a l'onction de Dieu. Je suis un homme qui a l'onction de Dieu. Alors, on ne verra pas dans ces choses-là. Toi, va travailler pour gagner ton argent. Et toi, tu n'iras pas là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume chapitre 39. Je pense que là tu commences maintenant à réaliser certainement que peut-être que tu n'as plus beaucoup de temps. Tu peux déjà commencer à calculer la taille de ton cercueil ou la couleur, ou peut-être souscrire à une assurance vie, je ne sais pas. Mais c'est des choses importantes. Mm-hmm. Je ne pensais pas que ça n'arrive qu'aux autres. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mmh, alléluia! Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Donc, je dois être prêt. Tout la vigilance, tout le fait d'appliquer mon cœur à la sagesse. Et je reviendrai là-dessus. Psaume chapitre 39. La Bible nous parle de la fragilité de l'homme. Prenez à partir du verset 5 avec moi. Verset 5 jusqu'au verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Seigneur, dis-moi quel est le terme, quelle est la durée de ma vie. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, dis-moi un peu, il me reste combien de temps à vivre? Il peut te le dire. Il peut te le dire. Dis-moi, moi je le dis. Dis-moi quel est le terme de ma vie. Afin que je sache combien je suis fragile. C'est pour te dire que le temps est tellement court, tu es tellement fragile. Tellement fragile que tu ne te rends peut-être pas compte. Parce que rien d'aussi grave ne t'est arrivé. Allez-y dans les hôpitaux. Nous sommes allés au Canada, juste avant de venir, quelques jours avant de venir, une femme, on m'a parlé d'une femme qui était tellement généreuse, d'un certain âge. Elle était dans le 50 à peu près. Du jour au lendemain, comme ça, elle a été frappée d'un AVC, elle a perdu tous les sens, elle a tout perdu, paralysée, elle était phase terminale. On devait juste la débrancher pour que quelqu'un puisse décider. Et les chrétiens là-bas, les frères là-bas ont dit, non, Dieu nous dit que la femme va revenir à la vie. Ils ont prié, la femme a été revenue à la vie. Amen.
Et nous sommes allés parce qu'on m'a dit qu'elle ne parlait pas. Nous sommes allés à l'hôpital. Et nous sommes allés avec quelques frères. Nous avons commencé à prier. On a prié pendant 10 minutes à peu près. Et pendant qu'on était en train de se séparer d'elle, elle a commencé à parler comme ça. Amen. J'étais là, je disais, mais on m'a montré la photo qu'elle est, sa photo. Vous savez, quand la maladie vous terrasse, quand vous êtes terrassé par le cancer, par exemple, par des maladies terribles, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez là, c'est que la poubelle, la poussière. Alors tu n'as aucune raison d'être fier. Aucune raison. Parce que tu n'as rien de plus que cela. Je n'ai rien de plus. Quand je suis là, je me dis, mais Seigneur, des fois je vais même voir dans les hôpitaux, vous voyez des enfants qui sont malades, des enfants qui respirent dans les machines. Vous posez des questions, mais qu'est-ce que ces enfants ont fait pour mériter ces choses? Rien. Alors ça doit me tenir dans une telle humilité pour dire, Seigneur, combien de temps il me reste encore à vivre? Laisse-moi être sensible. Frère. Et David priait ainsi. Verset 6. Voici, tu as donné à mes jours la longueur de la mer. Voilà la longueur. Voilà tes jours. La longueur de la mer. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Toi qui es debout, la Bible dit que tu es un souffle. Tu peux l'enlever, te l'arracher. À n'importe quel moment. Verset 7. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse. Il ne sait qui recueillera. Oh, toi qui veux travailler. Oui, il faut gagner de l'argent. C'est bien. Tu amasses. Mais tu es riche pour toi-même. Au lieu de servir Dieu avec ton argent, tes biens. Au lieu d'honorer Dieu avec les prémices de tes revenus. Au lieu de faire en sorte que l'œuvre de Dieu avance. Toi, ton argent, c'est pour les fêtes. Uniquement les fêtes. Pour les gâchis, les choses qui n'apportent rien de plus. Vous savez, lorsqu'une personne décède, qu'est-ce qui se passe? Ayez toutes les voitures du monde. Ayez toute la carte de l'homme, je ne sais pas. Ayez toutes les marques que vous voulez. Ayez une belle maison. Le jour de votre enterrement, on va vous accompagner au cimetière. Même votre voiture ne va pas rester au cimetière. La voiture va rentrer. Et quelqu'un d'autre va s'en servir. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Tout rentre. Juste la Bible qu'on t'avait mis là dans le cercueil. Tout le monde va venir voir. Ton tante, ta tine, gloire à Dieu. Mais tout part. Mais il y a une seule chose, frère, que tu pourras amener avec toi dans l'au-delà. Vous savez c'est quoi? C'est les bonnes œuvres. Regardez l'Apocalypse chapitre 13. Venez avec moi. Apocalypse chapitre 13. Plutôt, après 14, chapitre 14, verset 13. Regardez ce que la Bible dit. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Oh mon Dieu, tes bijoux ne te suivront pas au ciel. Ta beauté ne te suivra pas au ciel. Tes vêtements ne te suivront pas au ciel. Ni moi, ni encore ton argent, tes biens matériels. Mais ce qui te suivra au ciel, c'est les bonnes œuvres que tu auras faites. C'est pour cela que tu utilises ton argent, utilise les biens que tu as pour servir Dieu. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Je dis la parole de Dieu. Voilà les œuvres. Moi, ce que je fais, je ne regrette pas. Même si à la parole, je n'ai rien fait. Je sais que ce que je suis en train de faire va me suivre là-haut. Amen. Il faut être sage. Il faut être sage. Frère, le temps passe vite, très vite. Et le diable le sait. Le diable, qu'est-ce qu'il fait, vous savez? Il met en place des stratégies. Une des stratégies du diable, c'est quoi? Il te voile l'évangile. 2 Corinthiens chapitre 4, 5, verset 3 à 4. Sinon, l'évangile est encore voilé. Il est voilé pour les incrédules, pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le diable va mettre un voile pour que tu ne prennes pas conscience de l'importance de l'évangile. Quand je vois même dans les églises combien de chrétiens qui ont du mal vraiment à s'accrocher à l'évangile, je dis, il y a un problème.
Il y en a qui ne connaissent pas le thème de leur vie. Ils jouent avec leur temps. Quand je vois l'œuvre, quand il est question de l'œuvre de Dieu, on traîne le pied, on est prêt à arriver en retard chaque jour en retard. Je dis, il y a un problème, vous ne craignez pas Dieu. Parce que lorsqu'on craint Dieu, je ne suis pas sûr que lorsque vous êtes embauché dans une société, vous allez vous pointer en retard tout le temps. Non. Et si vous le faites avec Dieu, cela veut dire que vous n'avez pas de considération pour Dieu. Et arrêtez de dire que j'aime Dieu. Parce que mes dieux, ce n'est pas dans les lèvres, c'est dans les actes, avec un cœur soumis, humble devant lui. Le diable sait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher de servir Dieu. Regarde bien, est-ce que tu sers Dieu comme il le faut? Que fais-tu du talent que Dieu t'a donné? Que fais-tu du ministère que Dieu t'a donné? Ah non, je suis déçu. Ah non, ceci, les hommes ont fait cela. Tu auras des comptes à rendre devant Dieu. Je vous aurais prévenu. Je dis bien, je vous aurais prévenu de la part de Dieu. Le temps est court. Ne jouez pas avec votre temps. Et ne laissez personne jouer avec votre temps. Vous savez, lorsque Jésus est venu, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, si toi aussi en dessous qui t'étais donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Maintenant, elles sont cachées devant toi. Il ne restera plus en toi, pierre sur pierre, qui soit renversée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a un temps de visitation. Et quand Dieu te visite, tu dois saisir ce temps. Tu dois prendre ce temps. Tu ne dois pas jouer. Tu ne dois pas batailler avec le temps que Dieu te dispose à ta faveur. Et Dieu pleure. Quand tu regardes son église, l'église est dans la distraction. Vous êtes tous dans la distraction ici. Pensez aux choses de la terre. Mangez, boire, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Combien de temps prenez-vous à vous consacrer devant le trône de Dieu? Combien de temps? Et les chrétiens ont beaucoup de problèmes sociaux. Oui, il faut que Dieu fasse. J'ai un problème de ceci, j'ai un problème de cela. Dieu n'est pas venu pour régler d'abord vos problèmes sociaux. Il est venu vous donner la vie et la vie en abondance. Ça, c'est le premier but de Dieu. Ce n'est pas pour régler le problème des dettes. Dette ou pas dette, ça passe. Maladie ou pas maladie, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que tu le sais. Que tu sois un instrument dans ce bien. Amen. Telle est la volonté de Dieu. Le diable te fait miroiter les choses du monde. Les belles choses du monde. Regarde là-bas. Oui, c'est beau. Oui, c'est bien. Les bons vêtements. Les belles choses. Tout ça. Tu es tellement séduit par les belles choses. C'est pas mauvais. Nous vivons sur terre. Mais ce n'est pas la priorité. Commencez à déterminer vos priorités dans la vie. Dieu doit passer avant tout. Dieu doit passer avant ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille. Dieu passe en dernier qui te plaît en plus. Le cœur de Dieu bat pour vous. Parce que vous ne l'aimez pas. Le temps est court. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous dise encore? Vous ne voulez pas ce qui se passe dans le monde? Quel miracle encore vous voulez que Dieu vous montre qu'il est à la porte? Qu'est-ce que vous voulez que le monde ressuscite? Même si le monde ressuscite, vous croirez pendant un temps. C'est tout. Je peux sentir le cœur de Dieu battre. Dieu est en train de dire, il y a des messages qui sortent, et ce n'est pas seulement ici, un peu partout. Dieu dit, mon peuple ne prie pas. Même les pasteurs ne prient plus. Les chrétiens ne prient pas. Ils n'ont pas le temps pour prier. Ils ont le temps pour Internet, Facebook, ils ont le temps pour manger, ils ont le temps pour faire toutes ces choses. Ce n'est pas mauvais, comprenez mon langage. Comprenez bien ce que Dieu veut que je vous dise. Mais vous n'avez pas le temps pour les choses essentielles pour votre salut. Pour votre âme, vous n'avez pas le temps. Vous resterez à l'enlèvement. Seigneur, permets-moi d'être fidèle et d'annoncer fidèle pour ta parole. Que je n'ai plus de temps. Je ne suis pas là pour faire du cinéma. Je ne fais pas l'œuvre pour un intérêt quelconque. Non. Ça doit être votre motivation aussi. Jésus et Jésus-Christ seul. Alléluia. Amen.
Qui veut prendre conscience aujourd'hui que le temps est court? Qui? Levez les mains si c'est vraiment votre cas. Gloire à Dieu. Merci. Le temps est court, frère. Il y a des facteurs qu'il faut considérer. Il y a des choses qu'il faut savoir. La Bible dit que le monde passe. La convoitise du monde aussi passe. La Bible dit que la figure de ce monde va passer. La Bible nous enseigne que le monde et toutes les choses que vous retrouvez dans le monde auront une fin un jour. Ces choses vont s'arrêter un jour. Et après, mes frères, et après, mes sœurs, et après. Jésus dit, travaillez non pour de la nourriture qui périt, mais travaillez pour de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, que la vie de Dieu vous donnera, car celui que le Père de Dieu a marqué de son sceau. Travaillez pour cette nourriture. Donnez-vous à vous pour les sceaux du royaume des cieux, les sceaux éternels. Et je dis à Dieu, je te donne ma vie, mon amour, ma jeunesse, ma force, ce que je suis et ce que je sais, pour que ton nom parvienne à la plénitude, tel que l'Esprit de Dieu le voudra dans le monde entier. Je ne parle pas à Père. As-tu le temps? Tu penses que tu as le temps? Je te dis que tu n'en as pas. Quand je vois des frères qui sont dans des groupes tels que Gaël, qui sont des décennies comme ça, je me dis, mais tout peut m'arriver. Qu'as-tu de plus que? Et qu'as-tu fait? Quelle marque laisseras-tu sur cette terre? Quelle empreinte laisseras-tu? On pourrait dire que cette femme a existé. Elle a été une bénédiction pour le corps de Christ. Cessez d'être des personnes qui recherchent toujours la bénédiction. Devenez-vous-même de canons de bénédiction. Bénis-moi. Toi-même, tu dois être un canal pour bénir les autres. Il y en a à cause du mariage, ils ne veulent pas servir Dieu. Il y en a à cause du travail, à cause de la déception, à cause des hommes. Je vous dis ces choses, vous les allez trouver, vous les laisserez. Sers Dieu. Tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, et de toute ta pensée, et le servir lui seul. La Bible dit, rachetons le temps. Il est l'heure pour que tu puisses racheter ton temps. Si hier tu avais perdu le temps, aujourd'hui je te dis, arrête-toi un peu. Fais un break, fais un stop, analyse ta vie. Voilà où ça ne va pas. Et change de vie. Car c'est à cela que ce message est destiné. Pour que tu ne restes plus la même personne. Mais pour que tu sens, tu comprennes l'enjeu spirituel. Tu comprennes que Dieu t'attend de l'autre côté de la barre. Que Dieu t'attend de l'autre côté de la rive. Et que tu te lèves et que tu ailles vers lui. Amen. Le monde, les choses du présent, les choses matérielles. Oh, dans 1 Chroniques chapitre 12, le verset 32, vous savez, il faut discerner le temps. 1 Chroniques chapitre 12, je vais lire avec vous parce que c'est un passage très capital que je veux vous donner. 1 Chroniques 12, le verset 32, la parole de Dieu nous dit ceci. Les fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël. Je m'arrête là. Il faut savoir discerner le temps pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'à chaque temps correspond une action, une activité, des événements. Jésus est venu et a dit aux pharisiens, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Comment êtes-vous aveugle à ce point-là? Vous prenez vos grâces, vous les vaudrez, vous vous asseyez dessus, vos talents. Dieu prendra cela et donnera à quelqu'un qui a dit talent. Méchant serviteur et servante. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider? Vous-même, l'Esprit de Dieu là, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Compte sur la grâce de Dieu, compte sur l'Esprit de Dieu et lève-toi et sers Dieu. Peut-il discerner le temps dans lequel nous sommes? C'est des temps très mauvais. Voilà les choses qu'il faut éviter. Je vous ai relevé trois points capitaux.
trois points essentiels. Dans ce temps qui sont courts, si vous voulez réussir la marche avec l'esprit, trois choses qu'il ne faut pas négliger. Trois choses qu'il faut prendre en considération. Travaillez cela dans votre vie et vous verrez la productivité, le changement par la grâce de Dieu. La première chose, évitez la paresse. Les chrétiens sont devenus paresseux. La plupart des chrétiens sont paresseux parce qu'on pense que l'œuvre de Dieu est facile. Alors on ne peut pas se prendre la tête. La paresse, quand on arrive en retard, c'est qu'on est paresseux. On ne peut pas se lever tôt. Il faut arrêter avec ça au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je veux un grand amen. Amen. Je veux voir des gens venir adorer Dieu à l'heure. Vous vous organisez pour être à l'heure pour célébrer le nom du Seigneur. Changez de vie maintenant. La paresse. Vous lirez Proverbe chapitre 6, à partir du verset 6 à 11. Je n'ai pas le temps de le lire. La Bible nous parle, nous donne l'exemple de la fourmi. Regardez la fourmi. La fourmi travaille déjà pour son futur. Il dit, regardez la fourmi, va vers la fourmi et tu vas devenir sage. Si vous regardez la fourmi n'a pas de chef. Mais nous, on a besoin de chef. Il faut que quelqu'un pour te dire, écoute, laisse-toi prier. Il faut que. Mais non! La fourmi n'a pas besoin de tout ça. La fourmi prend conscience que, ah, c'est le temps maintenant, il faut semer. Parce que la fourmi sème. C'est le temps de moissonner. La fourmi moissonne. Vous connaissez là, cette récitation qu'on a appris à l'école. La cigale et la fourmi. Et nous le sommes beaux. Et beaucoup de chrétiens sont des cigales. Oh là là, la vie est belle. Jésus revient, alléluia. Et ils ne travaillent pas. Continuez à chanter. Vous allez chanter comme au temps d'Ézéchiel. Vous savez, quand Ézéchiel prophétisait, les gens disaient que Ézéchiel est comme un chanteur. Il a une belle voix. Ils aiment bien sa musique, mais ils ne font pas ce qu'il dit. Et c'est exactement l'état des chrétiens aujourd'hui. On peut prêcher comme ça. Alléluia, oh my God, prêche. Ou sous l'onction en temps. C'est pas, moi, je ne suis pas impressionné par ça. Ah non, Dieu n'est pas impressionné par ces choses. Non, tu dois être comme la fourmi. Travaille dans le secret. Personne n'est obligé de voir ce que tu fais. Travaille, investis-toi dans le royaume de Dieu. Va gagner des âmes, va servir Dieu dehors. Un jour viendra, il va te récompenser. Car ceux qui servent avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Évitez la paresse. La deuxième chose, la négligence. Vous lirez 1 Chronique 29, verset 11. 1 Chronique 29, verset 11. Dieu dit, cessez d'être négligent. Aussi, Jérémie 48, verset 10. Maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. La négligence. Voilà ce qui tue. Bon, nous perdons notre temps parce que nous sommes négligents. On néglige la prière. On néglige la méditation de la parole de Dieu. Et je vous donne un conseil. Évitez de regarder les films à la télé. Ça vous bousille le temps. Ça vous prend le temps inutilement. Concentrez-vous sur les choses essentielles. Troisième chose, la distraction. Ah, lorsque la télé arrive, ça fait un clic dans le cœur de quelqu'un. Et c'est la vérité. La distraction. Vous savez que nous sommes dans un pays et nous sommes dans des continents où les gens aiment la vie. Hein? Ils aiment se divertir. Hein? Oh, les trucs qui font comme ça. Oh là là, on est bien étalé au soleil comme ça. Ah, Jésus de Nazareth. On adore le soleil sans le savoir. On n'a pas le temps pour Dieu, mais on a le temps pour ça. Sachez faire la part des choses. Je ne comprenais mon langage, je ne dis pas que c'est mauvais. Il faut se reposer. Mais comprenez le plus important, les choses les plus importantes de Dieu. Alléluia. La distraction. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce temps qui sont courts, le temps est court, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qui sait ce que Dieu attend de lui? Qui sont ceux qui savent ce que Dieu attend de lui? Vraiment. Vous ne savez pas? Ah, je vais vous aider alors. Comme ça, à partir d'aujourd'hui, que vous sachiez ce que Dieu attend de vous. Et je vais finir là. Alléluia. La première chose que Dieu attend de vous, parce que le temps est court, premièrement, comprenez quelle est la volonté de Dieu.
chercher à connaître la volonté de Dieu. Pour comprendre la volonté de Dieu, il ne faut pas se conformer au siècle présent. Romains 12, verset 2. La deuxième chose, il faut saisir le temps qui vous est donné par Dieu. La troisième chose, appliquez vos cœurs à la sagesse. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Appliquez vos cœurs à la sagesse de Dieu. Grandissez en sagesse, grandissez en maturité, grandissez dans la foi, grandissez dans la pureté, grandissez dans la sanctification. Laissez Dieu vous briser, laissez Dieu vous travailler, et Dieu vous amènera dans le cadre de sa gloire. La quatrième chose, travaillez pour Dieu, mais sérieusement. Travaillez pour Dieu, j'espère que tout le monde note. Travaillez pour Dieu. Il est l'heure de travailler pour Dieu. Que se rendre utile. Ne sois pas quelqu'un qui vient seulement écouter. Je m'assois. Moi, je viens là-bas, je m'assois et puis je rentre. J'écoute la parole et je rentre. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Tu dois faire quelque chose pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu es une pierre vivante. Amen. 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 Gloire à Dieu. Autre chose. Courir vers le ciel est l'objectif du ciel. N'oublie jamais cette parole. N'oublie jamais que le ciel est devant toi. Paul dit quoi? Dans Actes chapitre 20, verset 24, il dit, pour moi-même, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle n'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer sa parole. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Amen. Amen. Ta course. Qu'est-ce que tu diras ce jour-là à Dieu? Imaginez le jour où il viendra et il t'appellera. Ma fille, Jeannette, viens devant mon trône. Oui, maître, me voici. Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Seigneur, tu vois. Seigneur, tu comprends. Dieu ne te comprendra pas. Parce qu'il t'a donné sa parole. Et t'a donné son esprit. Tu dois compter sur ses capacités. Tu dois compter sur son onction. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. 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 Le temps est court, mais nous pouvons acheter le temps avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous aider à acheter le temps et à servir Dieu efficacement. Si tu te prends cette décision aujourd'hui, tu vas voir que Dieu va t'aider. Dis-toi, je suis cher, mais je veux faire des choses que même les grandes personnes ne font pas. Tu vas réussir avec la détermination que tu as. Et si tu mets un peu de sérieux avec ta vie de prière, tu vas réussir. Savez-moi comment j'ai commencé à écrire des livres? Je disais, je reçois la grâce pour écrire le livre. Je ne savais rien, personne ne m'a appris. Je me suis bien écrit. J'ai bidouillé, c'était dur. Mais je me suis dit, je vais réussir au nom de Jésus. Amen. Moi, ce que Dieu m'a donné, c'est la détermination. Quand je veux un truc, je la veux. Hein, je veux ce truc-là et je l'aurai. Qui pense qu'il va l'avoir aussi? Non, je veux voir vos mains. Qui pense que si il se donne l'objectif, il va l'atteindre? Je veux voir les mains, s'il vous plaît. Il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus. Seigneur, moi, je refuse de célibat. Je dois me marier pour te servir. Et attention, vous ne vous mariez pas pour après fuir l'église. C'est même une veille que chercher le mariage, puis que quand ils sont bénis, ils fuient. J'ai vu aussi des gens venir me dire, oui, oh mon Dieu, tu sais, je suis vraiment dans la souffrance. Prie pour moi, si j'ai un bon travail, comment je vais soutenir? Je prie, Dieu donne des bons travaux et puis la personne disparaît. Je dis, je ne veux plus prier. Parce que ça, c'est manipuler la personne. C'est manipuler Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Il faut que tu sois conscient. Il faut qu'avec ta bénédiction que tu serves Dieu. Qui veut servir Dieu avec sa bénédiction? Vous êtes sûr? Amen. Qui veut monter des affaires que ça réussisse pour soutenir l'œuvre de Dieu? Levez-vous. Ceux qui veulent monter des affaires, levez-vous. Les autres, c'est ça. Ceux qui veulent vraiment monter des affaires. Je prie Dieu. Et attention, si vous fuyez, ça va sécher après. Hein?
Aujourd'hui, je ne vais pas vous ménager. Aujourd'hui, je vais être clair. Parce que j'ai trop rien. On va me dire, ah, tu sais, homme de Dieu, tu vas bénir. Moi, je regarde bien. Je dis, dans mon cœur, je dis, ah, moi, l'homme de Dieu va avoir un peu de soutien. Et après, bah, il fait son disparaître. Mais tu es où? Ah, mais tu comprends, tu vois. Jésus de Nazareth. Alors, levez vos mains. Levez juste vos mains à Dieu. Si vous croyez que Dieu est capable de faire, si vous croyez que le Dieu que je prie et que je sers est capable de vous sortir du néant et de vous emmener à un point que vous n'avez jamais pu penser, alors que votre foi aujourd'hui entre en action. Et là où vous êtes, pendant que vous avez vos mains levées, dites, je reçois cela au nom de Jésus. Avec un cri de la foi, dites, je reçois cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi. Bénis chaque femme, chaque homme qui se levait. Je prie que là où il y avait la sécheresse, que cette sécheresse s'arrête aujourd'hui même. Au nom puissant de Jésus. Je sais que le temps est court. Tu m'as donné un signe, tu nous as donné un signe dans la Bible. Tu dis, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Seigneur, l'évangile ne pourra pas aller jusqu'aux extrémités de la terre si le moyen financier manque. Je prie, mon Dieu, que tu puisses accorder à ces hommes et à ces femmes, Seigneur, ce dont leur cœur désire, et qu'ils soient bénis. Que leur projet s'ouvre dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, que le contraire leur soit donné, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Bénis leur projet, bénis leur projet, Seigneur. Bénis leur projet, bénis leur projet, bénis leur projet, Seigneur. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche-le.
touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche. Touche-les. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, levez-vous. À partir d'aujourd'hui, commencez à servir Dieu. Servez le Seigneur avec zèle. Toi qui es appelé au ministère, il te prépare. Toi qui es appelé à la guérison, il te prépare au ministère de Dieu. Toi qui es appelé à la prophétie, il te prépare à la prophétie. Là où tu es, il te touche. Sa main, je dis sa main est sur toi. Maintenant, elle est sur toi. Maintenant, elle te touche au nom de Jésus. Son nom. Même si je n'ai pas
Même si j'ai des...